stratégie américaine de démolition des régimes arabes laïcs suspectés d'entretenir des relations plus ou moins sympathiques avec l'Union soviétique. Bon. Ce sont quand même les Américains qui ont fabriqué Al-Qaïda, hein, je suis désolé. Bon. Ça, c'est un fait qui n'est plus contesté par personne. Deuxième chose, il y a cette stratégie des pays du Golfe. Pour financer les talibans face à l'Union soviétique en Afghanistan. Oui, absolument. Il y a cette stratégie des pays du Golfe qui est de faire monter le salafisme, de le répandre un peu partout. Je dis au passage d'ailleurs que le terme d'antisémite, moi, ne me convient pas du tout, parce que les Arabes sont des sémites, hein, et que vous avez les deux tiers des juifs qui ne sont pas sémites. Mais enfin, passons. Alors, parler de judéophobie, non, mais on parle en français, là. Alors, ces deux politiques ont convergé parce que ces deux pays, les pays du Golfe, en particulier le plus puissant, est l'allié indéfectible des États-Unis.